Bonjour, alors aujourd'hui je vous emmène en plein cœur de Colmar, dans un appartement au troisième et dernier étage d'un immeuble de 1964. Appartement de 90 mètres carrés qui a été refait à neuf, vous allez le voir. Donc la porte d'entrée nous donne sur un dégagement qui dessert les premières pièces. Sur la gauche, on va trouver la cuisine, donc une cuisine séparée qui a été totalement aménagée et équipée. L'électroménager n'a jamais été utilisé. Il est prêt à être mis en marche. Dans cette cuisine, alors c'est un luxe parce que c'est vrai qu'on est juste à côté des terrasses de Colmar, mais on a un petit balcon qui n'est pas énorme et qui permettrait de mettre une table et deux chaises si vous le souhaitez, d'étendre du linge. Un petit extérieur, étant donné la situation de l'appartement, c'est vraiment un bonus. Derrière cette porte, les toilettes qui sont donc séparées, mais c'est suspendu. Et juste à côté, on va retrouver la première chambre. Une chambre de 11 mètres carrés. Dans les chambres, ainsi que dans le séjour, le parquet a été conservé, il a été totalement rénové, il est vraiment dans un très très bel état. Les chambres sont lumineuses, les peintures blanches qui viennent d'être refaites. Et de grandes fenêtres en double vitrage PVC qui donnent vraiment une belle luminosité à l'appartement. On terminera par le séjour tout à l'heure, je vais vous emmener pour l'instant vers le coin nuit avec les deux autres chambres et la salle d'eau. Donc pour ça, on va traverser un couloir avec d'un côté des placards intégrés, très pratiques où vous allez pouvoir ranger énormément de choses puisqu'il y a des penderies, il y a des étagères, il y a vraiment vraiment de quoi faire et sur toute la hauteur. De l'autre côté, vous aurez de la place pour mettre une console, un espace de rangement également, en fonction de chacun. Sur la gauche, une deuxième chambre, également de 11 mètres carrés. Également, donc avec ce parquet qui a été conservé au sol. Un peu plus en longueur, mais très sympa. Déjà une belle surface pour une chambre aujourd'hui. Alors vous l'aurez compris, de ce côté-ci, c'est pas forcément la vue la plus sympa. On est un petit peu en hauteur, mais on a une vue sur Colmar dans le fond. Par contre, de l'autre côté, c'est vrai qu'on a une vue sur les toits qui est vraiment, vraiment sympa. Un petit tour par la salle d'eau. Une douche à l'italienne. Belle grande douche qui a été aménagée. On a déjà tout qui est prévu pour le lave-linge. Et à côté, on a déjà le meuble coulissant avec le lavabo. La dernière chambre, donc de l'autre côté, avec pour le coup vraiment une vue sympa. Toujours le parquet. Cette chambre-ci fait 14 mètres carrés. On pourrait aussi imaginer, en fonction des usages, y mettre un atelier, pourquoi pas. En tout cas, là, on a vu sur les vieux toits de Colmar. Voilà, on a même la cigogne sur le toit de l'église, qui est là ce matin pour nous faire un coucou. Et on va donc repasser par notre couloir. Pour aller voir le séjour, un séjour de 22 mètres carrés avec ce beau parquet au sol et avec trois grandes fenêtres qui vont nous permettre d'avoir un maximum de luminosité et c'est vrai de retrouver cette vue que je trouve absolument magnifique. Quand on aime Colmar, c'est assez magique d'avoir une vue pareille depuis son salon. Pour autant, c'est vrai qu'on est au cœur de Colmar, on est vraiment à deux pas de la place Rapp, on est au troisième étage, on est au calme. Voilà, on n'est pas dérangé par le bruit, par les nuisances sonores.
Voilà, c'est ici qu'on va terminer la visite de cet appartement, donc un 4 pièces de 90 mètres carrés au troisième et dernier étage d'un immeuble au cœur de Colmar. N'hésitez pas à me contacter pour venir le visiter. Je vous attends.